Dans les poulets du Gers, il y a trois types de poulets. Alors il y a le connu à chair jaune, comme celui qui est ici. Il y a aussi du non connu, qui a également le plumage roux, comme celui-là, mais qui a la peau plutôt blanche. Et ensuite, beaucoup moins nombreux, il y a du connu à la peau blanche, mais le plumage noir. Traditionnellement, dans le sud de la France, on mange plutôt des poulets qui ont la chair jaune. Au nord de la France, c'est plutôt du poulet à chair blanche, sachant que ça commence à changer un petit peu. Le jaune prend un petit peu plus le pas. Naturellement, la race du connu comme ça, naturellement la peau qui devient un petit peu jaune, la chair qui devient légèrement jaune, et c'est amplifié par le fait qu'on y met du maïs qui est jaune dans l'alimentation. Et ça, en fait, ça démultiplie le caractère naturel qu'a déjà l'animal à avoir la chair un petit peu jaune. Pour les poulets blancs, en fait, on remplace le maïs soit par du blé, soit par du maïs blanc, de façon à ce que cette coloration n'ait pas lieu. De point de vue gustatif, ça ne change pas grand-chose, c'est plus des habitudes alimentaires que vraiment des spécificités gustatives.